إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le dars numéro 16 dans le kitab al-tawhid l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan i'anat al-mustafid et donc on continue toujours l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est dans le chapitre 2 dans le kitab al-tawhid et le hadith c'est an ubadat ibn al-samit qala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاري ومسلم et donc aujourd'hui on va continuer l'explication à partir de l'endroit où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit والجنة حق والنار حق c'est-à-dire le paradis est véridique et l'enfer est véridique ou bien le paradis est vérité et l'enfer est vérité le cheikh il dit قوله والجنة حق والنار حق يعني من شهد أن الجنة وهي دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا الجنة للمتقين والنار للكافرين فالدور كما ذكر ابن القيم ثلاث الأولى دار الدنيا وهي دار العمل والاكتساب والدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور برزخ بين الدنيا والآخرة والبرزخ معناه الفاصل والحياة في القبور تسمى بالحياة البرزخية فهي عجائب وفيها عجائب وفيها نعيم وعذاب إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء وهذه محطة انتظار Donc le chef il commence à expliquer maintenant, il dit que il faut croire donc que le paradis est vérité, c'est une vérité et que l'enfer c'est une vérité. Et donc il faut témoigner, lorsqu'on dit du témoignage de la ilaha illallah, il faut en même temps témoigner de la véracité du paradis et de l'enfer. Sinon on n'est pas mu'min, on n'a pas encore cru réellement en l'islam. Et donc le cheikh il dit que le paradis c'est la maison pour les gens qui ont cru en Allah, qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'enfer, le feu, c'est la maison ou la demeure pour les non-croyants, pour les gens qui ont refusé la foi, les kafirines. Et les deux sont véridiques, c'est pas quelque chose qui est symbolique ou allégorique ou il y a un mot que les gens utilisent parfois, ouais, comme s'il y en a qui disent que c'est métaphorique ou des trucs comme ça. Non, c'est des choses qui sont réelles
aussi réel que le monde actuel dans lequel on vit. D'accord? Et yani, il faut y croire et donc croire que c'est la vérité. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a utilisé le terme haqq. C'est-à-dire c'est vrai, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose d'illusoire ou une illusion ou une imagination ou un rêve. C'est la réalité. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, ce sont deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis et l'enfer, deux demeures qui existent actuellement. Elles sont déjà créées, elles existent actuellement. D'accord? Et elles sont éternelles. C'est-à-dire, ces deux créatures-là, elles ne finissent plus. Une fois que tu es entré dedans, soit dans le paradis ou dans l'enfer, eh bien, elles ne vont pas se détruire, ces deux créatures-là. Elles vont continuer à exister. Elles ne vont pas cesser d'exister après un certain temps. Et donc, c'est des demeures éternelles. Et le paradis, c'est pour les croyants, et l'enfer, c'est pour les non-croyants. Et le Cheikh Ibn Qayyim, Cheikh il mentionne que l'imam Ibn Qayyim a divisé les demeures en trois. Il a dit qu'il y a trois demeures. La demeure de la dunya, la demeure de al-barzakh, et la demeure de al-akhirah. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection. Donc, il commence à expliquer que premièrement, la maison ou la demeure de la dunya, c'est là où on est actuellement, et c'est un endroit où on est là pour agir, pour travailler, pour faire des efforts, pour recueillir des bonnes œuvres. Hein. Et puis, certains, au lieu de recueillir des bonnes œuvres, ils recueillent des péchés, hein, au lieu de recueillir des bonnes œuvres. Donc ici, c'est comme on peut dire, c'est l'examen, le test. Et il y a une autre demeure qui est dans… la deuxième demeure que le Cheikh a mentionné, c'est Al-Barzakh. Et Al-Barzakh, c'est disons la demeure qui est entre ce monde actuel et le monde qui est après la résurrection. C'est comme une salle d'attente, si on veut, entre les deux mondes. C'est lorsqu'on est mort, on est enterré dans notre tombe, et eh bien, on rentre dans cette phase-là ou dans cette dimension-là, ok, et ça s'appelle Al-Barzakh. C'est entre notre monde et l'au-delà. Et Al-Barzakh en arabe, ça veut dire une division, une barrière, une séparation. D'accord? Donc la vie qu'on vit dans notre tombe après notre mort, on l'appelle la vie du Barzakh, Al-Hayatul Barzakhiyya. Le Cheikh il dit qu'il y a des choses dedans qui sont étonnantes. Soit que tu es dans les délices et dans des jardins, ou soit que tu es dans un trou parmi les trous de l'enfer. D'accord? Et donc c'est ça. Et les morts restent dans leur tombe jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide de les faire ressusciter et de les rassembler pour le jugement. Donc on peut dire que c'est donc un lieu où on attend. Le barzakh, c'est un lieu d'attente. Le troisième, le Cheikh dit, والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة الجنة أو النار. هذه الدار لا تفني أو لا تفنى ولا تبيد أبدا. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات فإنه يعمل وإذا تيقن أن هناك نارا وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تميله عليه شهواته وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدا لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب تعالى الله عما يقولون الظالمون أو عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ينكرون البعث أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هكذا يقولون
Donc, le cheikh explique maintenant que la troisième demeure, c'est la demeure de la récompense, hein, ou de la rétribution. C'est-à-dire, parce que des fois, c'est pas une récompense, c'est un châtiment. C'est le jour de la résurrection, le jour où on va être sorti de nos tombes, qu'on va être, Allah subhanahu wa ta'ala va nous recréer, il va nous faire sortir de la terre, et il va nous rassembler pour nous juger. Et donc, par la suite, il y a soit la destination, c'est le paradis, ou soit que c'est l'enfer. Et cette demeure-là, comme on a dit tout à l'heure, elle ne va pas se détruire, elle ne va pas s'arrêter. Une fois, c'est soit le paradis et l'enfer, et ils vont toujours continuer éternellement à exister par la suite. Ils ne vont pas se détruire. Ils ne vont pas cesser. Et l'être humain qui a cru en ces deux maisons-là, en ces deux demeures-là, le paradis et l'enfer, ça va l'amener à faire des bonnes œuvres. Ça va le pousser à faire des bonnes œuvres. Ou s'il est en train de faire des péchés, ça va le pousser à faire tawba, c'est-à-dire à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir des péchés et des fautes qu'il a fait. Et donc, il va essayer d'agir et de faire en sorte et aller d'éviter d'aller en enfer et de faire un effort pour justement aller et faire ce qui va lui faire mériter le paradis. Et donc, lorsque quelqu'un est certain et convaincu de l'existence de l'enfer, et que s'il fait des péchés ou la mécréance, le kufr, ou bien des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va entrer dedans, alors il va faire attention, il va s'éloigner de ce qui pourrait le faire tomber dans l'enfer, et ça va le pousser à faire tawba. Et donc la foi au jour dernier, et la foi au paradis à l'enfer, ça pousse l'être humain à faire des bonnes œuvres, et à se repentir des péchés et des désobéissances. Mais celui qui ne croit pas en Al-Akhirah, celui qui n'a pas de foi en Al-Akhirah, c'est-à-dire en la vie de après la mort, il n'a pas la foi en le paradis ou en l'enfer, celui-là, il n'y a rien qui l'empêche ou qui le retient de tomber dans ses passions et dans ses désirs et de suivre ce que son âme l'amène, le pousse à faire. Il suit ses passions et ses désirs, il fait tout ce qu'il veut. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui le retient, il n'y a rien qui lui dit fais ça, tu risques d'être puni ou d'avoir un châtiment ou quelque chose comme ça. Et il n'y a rien qui l'incite aussi à faire des efforts pour faire le bien, comme par exemple la foi en une récompense et un paradis. Donc, il ne va jamais se remettre en question, puis se faire des comptes à lui-même pour dire pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'aurais pas dû faire ça, des choses comme ça. Peut-être il y a certains êtres humains, même si c'est pas des musulmans, des fois ils ont des consciences quand même, ils ont un minimum de conscience, puis des remords pour qu'est-ce qu'ils font. Toutefois, ça s'arrête à ça. Ça va pas plus loin. Tandis que pour le mu'min, il se prend des comptes, et ça, c'est ça ce qui le pousse à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est ça ce qui purifie son cœur et son âme, en fait, des erreurs et des péchés qu'il a fait. Donc, eux, ils disent donc qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition ou de récompense après la mort, et ça, bien entendu, c'est un mensonge qu'ils ont fait, et en fait, c'est parce qu'ils sont des injustes et qu'ils ont rejeté la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a mentionné dans le Coran plusieurs versets pour donner des exemples comment les non-croyants rejettent la foi en l'au-delà. Par exemple, le verset qui dit, et ils ont dit, waqalu, ils ont dit, ma hiya illa hayatuna dunya. Il n'y a que cette vie d'ici-bas. Il n'y a pas d'autre chose que cette vie d'ici-bas. Si tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Namutu wa nahya. Et là, on vit, puis on meurt, puis après c'est fini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. C'est seulement le temps qui passe qui nous fait périr, qui nous fait mourir. Donc eux, ça c'est les matérialistes, des gens qui croient juste en ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça, ils ne peuvent pas l'accepter, ils n'y croient pas. Okay? Et donc ils rejettent la foi en la résurrection après la mort. Et le cheikh ensuite, il dit un autre verset dans Sourate al-Mu'minun, le verset 35 à 37, qui dit, est-ce que ces gens-là, les prophètes, ils vous promettent que lorsque vous allez être mort et que vous allez devenir de la poussière et des os, que vous allez encore ressortir de la terre, hein? Hey hat, hey hat, c'est-à-dire, c'est quelque chose vraiment,
qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là, c'est comme si hayhat c'est une expression pour dire, yani, c'est très 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 loin, yani, c'est dur d'accepter ça. Ce qu'on vous a promis, yani, c'est comme s'ils le traitent de mensonge. Donc eux ils disent, les mécréants, les non-croyants, ils disent il n'y a que cette vie d'ici-bas, on vit et on meurt et on ne sera pas ressuscité. Ça c'est leur parole, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre des exemples de leurs paroles, comment eux ils pensent, voilà. Hein, comme le Cheikh il dit, هكذا يقولون لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس فالرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات ومن أجل مصالح الناس وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث وإنما يخيلون هذه الأشياء من باب الكذب للمصلحة ومن أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الدنيئة ويعملون الأعمال الطيبة وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار وهؤلاء يسمون المخيلة وهم فئة من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار ويقولون هما عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق فالكفر على اختلاف أصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة وباطنية كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر ولهذا توعد الله هؤلاء بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Donc le Cheikh il commence à expliquer, il dit donc les non-croyants, les kuffars auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est-à-dire les mouchriquins de Quraysh et les autres arabes de la période pré-islamique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé les appeler à l'islam, ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Ok, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à croire en Allah et à reconnaître que la vie après la mort existe, et ils refusaient de croire en ça. Et actuellement, puis même avant ça aussi depuis des siècles, il y a eu d'autres groupes également parmi les kuffars qui rejettent la foi en l'au-delà et la vie après la mort, comme par exemple les athées, al-malahida. Aujourd'hui, il y a parmi eux les communistes et les autres, yani, qui rejettent la foi en la vie après la mort. Ok? Et parmi eux, il y a plusieurs groupes comme ça, des matérialistes, ad-dahriyoun, ceux qui croient juste en yani, la nature, puis les trucs naturels. Ils croient rien en dehors de ce qui est dans leur après la limite de leurs cinq sens. Ils rejettent tout. Yani, ils croient seulement en la nature et aux trucs de sciences naturelles, puis après ça, ils rejettent le reste. Ils ne croient pas en un Rabb, c'est-à-dire ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient pas en une résurrection, ils ne croient pas qu'il y aura un jugement après la mort. Et également, il y a aussi parmi eux des groupes de philosophes, parmi les philosophes, qui rejettent ça aussi, qui rejettent la foi en une vie après la mort, et une résurrection et un jugement. Ils disent que tout ça, ça fait partie des illusions, hein, des métaphores, c'est des trucs que des hommes ont inventés pour, ils disent que les messagers et les prophètes, hein, ont dit ces choses-là et ont imaginé ça dans le but de, pour amener du bien aux gens. Ils leur ont inventé ces histoires de paradis et ces histoires d'enfer pour, les amener à faire du bien, puis s'éloigner du mal, et pour essayer de les contrôler, pour pas qu'ils tombent dans des mauvaises actions. Mais ils ont menti aux gens juste pour leur intérêt, pour le bien, en réalité. Donc ça c'est leur explication, comment ils expliquent pourquoi les prophètes ont dit des choses pareilles. Donc ceux-là font partie des kuffars, parmi les philosophes, on les appelle al-mukhayyala.
c'est-à-dire des gens qui disent que tout ça c'est des illusions, des imaginations que les prophètes ont inventées. Et il y a aussi parmi les groupes de koufars aussi, parmi ceux qui se disent même musulmans, il y a ce qu'on appelle al-batiniyoun. Al-batiniyoun, c'est les sectes et les groupes ésotériques parmi les musulmans, comme les, par exemple, les ismaïliyoun, les druzes, les nusayriyas, les karamita, différentes sectes parmi les groupes ésotériques. Et c'est des sectes qui s'apparentent ou qui prétendent appartenir aux chiites parmi les sectes des chiites. En réalité, même les chiites les considèrent kuffars. C'est juste un exemple de leur égarement. Et c'est des gens qui disent que tout ce que les messagers ont enseigné sont des choses en réalité métaphoriques. Il ne faut pas croire en rien de ce que les prophètes ont dit. Le paradis, c'est une métaphore, et c'est un état d'âme, c'est pas une réalité, il n'y a pas vraiment un feu qui brûle, et le paradis, c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de paradis qui existe, c'est juste une chose que les prophètes ont inventé, des trucs comme ça. Et la religion, ils l'interprètent de cette façon-là. Et ils ont fait la religion comme une sorte de ésotérique. Quand on dit ésotérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des choses cachées, comme on dit en arabe, batiniya, c'est al-batin. Donc ils ont divisé la religion en deux aspects, al-bahir ou al-batin. La religion qui est apparente, c'est ce que tous les musulmans pratiquent, les prières, le jeûne, le hajj, s'éloigner des choses haram, ça c'est al-bahir. Eux ils disent ça c'est l'islam al-bahir, l'islam al-awam, ils disent ça c'est pour les gens ordinaires, les simples musulmans qui n'ont pas atteint encore un niveau d'évolution, qui sont pas encore capables de comprendre les niveaux plus élevés de la science religieuse. Mais eux ils ont al-batin, c'est-à-dire la science de la religion qui est cachée, que seulement un petit groupe d'initiés parmi les élites, ceux qui ont vraiment compris la réalité de la religion sont capables de comprendre. Et donc c'est une sorte de croyance qui est cachée et limitée à un petit groupe parmi ces gens-là, ok? Et eux ils interprètent la religion en fait selon toutes sortes de philosophies grecques ou selon toutes sortes d'autres idéologies, et ils disent par exemple il n'y a rien qui est haram, tout est halal. Et la prière c'est pas obligatoire, le jeûne c'est pas obligatoire, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc ça c'est la réalité de qu'est-ce qu'ils enseignent à l'intérieur de leur religion. Mais ils ne le disent pas à tout le monde. Ils le disent seulement après que quelqu'un a passé certaines initiations, puis qu'il a été testé par eux d'une certaine façon. Donc pour après ils ont vu que la personne est vraiment entrée avec eux et est sincère. Après ils commencent à lui dévoiler certaines de ces croyances-là, mais ils ne vont pas lui dire du premier coup, bien entendu, parce qu'ils vont savoir que s'ils disent ça à quelqu'un du premier coup, personne ne va accepter ça. Mais ils le disent, comme on dit, petit à petit. Et ça, c'est une technique qu'ils utilisent pour égarer les gens. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-batiniyoun. Ok? Et donc, tous ces gens-là ne croient pas en al-yawm al-akhir. Tous ces gens-là ne croient pas en Yom al-Akhir. Donc, en apparence, ils disent oui, on croit au Coran, on croit au paradis et l'enfer, mais quand ils expliquent qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, ils se réalisent qu'en fait, ils ne croient pas vraiment. Parce qu'ils disent ça, c'est des choses imaginaires, c'est pas réel. D'accord? Donc, dans ce sens-là, ils sont des koufars eux aussi également. Et le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé tous ces groupes-là par une menace en disant dans Surat al-Mu'minun, le verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez qu'on vous a tous créés comme ça, inutilement, d'une façon comme inutile, comme ça, pour rien, et que vous ne serez pas retournés vers nous, Donc, le cheikh, il dit, لَوْ كَانَ, يعني, لَوْ كَانَ لَيْسَ هُنَاكَ بَعْثٌ وَلَا حِسَابٌ صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث لأنها لا تؤذي أو لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة فالظالم يظلم في هذه الدنيا والقاتل يقتل والعاصي يعصي والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقي جزاء تعالى الله عما يقولون. أما إذا كان هناك بعث ونشور
وجزاء على الأعمال المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كان خلق الخلق إذن لحكمة وغاية وليس عبثا فهناك من الظلم من يموت وهو ما جزي في هذه الدنيا وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريض لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة هذا الكافر هذا الظالم هذا الطاغية هذا الجبار ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة هذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة في الجنة لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها donc le cheikh il explique ici il dit ça veut dire que يعني il faut pas croire que Allah a créé tout ce qu'il a créé comme ça sur la tête pour rien hein? Il faut croire qu'il y a une résurrection et un jugement et sinon ça voudrait dire que Allah aurait tout créé qu'est-ce qui existe dans l'univers et dans le monde inutilement yani pour rien et ça yani c'est en réalité quelque chose de c'est-à-dire on n'a pas le droit de dire une chose pareille à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça veut dire qu'on lui attribue le fait qu'il n'est pas sage qu'il n'a pas de sagesse de hikma le cheikh il dit quoi il dit donc ça voudrait dire que le tueur il tue le pécheur le désobéissant il désobéit et l'obéissant celui qui obéit à Allah il se fatigue lui-même en faisant toutes sortes d'adorations et toutes sortes d'obéissances et il ne reçoit aucune récompense ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui disent ça à propos d'Allah ils ont fait une injustice envers Allah donc celui qui croit qu'il y a une résurrection celui qui croit qu'il y a un rassemblement et une récompense une rétribution pour les actions hein, celui qui a fait le bien il recevra le bien celui qui a fait le mal il recevra le mal hein Alors dans ce cas-là, on voit qu'il y a une sagesse dans la création. Il y a un but, une sagesse. C'est pas tout créé, tout ça c'est pas créé pour rien. Il y a une raison pourquoi c'est créé. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit il y a des gens qui sont injustes, hein, des criminels, des grands criminels, des grands voleurs, des maîtres dans le crime, qui vivent toute leur vie dans toutes sortes de bonnes choses, hein. Ils ont des belles maisons, ils ont des voitures, ils ont la belle vie dans ce monde, hein. Ils vivent comme un paradis sur la terre, hein. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils vivent dans le crime, dans la mécréance, dans le mal, hein. Tandis qu'il y en a qui sont des bons croyants, qui ont été honnêtes et justes toute leur vie, ils n'ont pas fait de mal à personne, ils n'ont pas fait d'injustice, et ils sont morts dans la maladie et dans la pauvreté. Hein? Donc, est-ce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser ces gens-là comme ça, de cette façon, sans les récompenser, sans les punir, sans punir celui qui mérite la punition, sans récompenser celui qui mérite la récompense? C'est comme si on disait que le mal et le bien est équivalent. C'est comme si on disait que de faire le bien et le mal, c'est équivalent. Et même dans cet exemple que j'ai donné, que le cheikh a donné, ce serait même dire que de faire le mal, c'est plus payant que de faire le bien. Parce qu'il y a des gens qui ont fait du mal, qui ont terminé une bonne vie, qui ont eu tout ce qu'ils voulaient dans la vie, tandis que ceux qui ont fait le bien et qui ont cru en Allah, ils ont vécu une vie de misère et de malheur. Donc, si c'était comme ça, alors ça voudrait dire que parfois même, on pourrait même comprendre la logique de certains non-croyants qui préfèrent vivre dans le crime et dans le mal que de faire le bien. Toutefois, ce qui vient remettre les choses en ordre, c'est justement le fait qu'il y a une justice suprême qui vient après la mort. Celui qui a fait le bien sera récompensé pour le bien qu'il a fait.
Celui qui a cru, même s'il a eu toutes les difficultés, tous les malheurs dans ce monde, hein, eh bien, il ne va pas avoir été bon pour rien. Et celui qui a fait le mal et qui a vécu dans le crime, même s'il a joui de tous les plaisirs de ce monde, eh bien, il ne va pas en jouir. Il va pas en jouer éternellement, parce que après sa mort, il va être jugé et on va lui rendre des comptes, on va lui faire payer des comptes pour sa mécréance et pour ses péchés, pour ses crimes. Donc, même s'il a tout eu ce qu'il voulait dans ce monde, même s'il a eu la santé, le plaisir et tout, malgré sa mécréance, eh ben, il va avoir des comptes à rendre dans l'autre vie. Et c'est ça ce qui amène, en fait, la justice et la paix, bien est dans le cœur du croyant. Donc, le cheikh, il dit, tous ces gens-là, leur récompense et leur rétribution les attend dans l'autre vie, dans l'autre monde. Le non-croyant, hein, celui qui a été injuste, le tyran ou autre, tous ces gens-là, leur châtiment les attend dans l'autre vie. Et l'autre qui a été mu'min, qui a été croyant, qui a craint Allah, qui a fait le bien, eh bien, même s'il est mort dans la maladie et dans la pauvreté, il va retrouver sa récompense et sa rétribution dans l'autre vie, dans le paradis. Donc il a une récompense qu'il attend. Parce que Allah n'a pas créé tout ce monde-là pour rien, n'a pas créé toutes ces choses-là pour rien. Il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un objectif qui termine et qui est juste. Et c'est pour ça qu'Allah il dit « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى » Est-ce que l'être humain croit qu'on va le laisser comme ça, sans aucune responsabilité, sans aucune obligation, sans aucune interdiction, sans aucun commandement? Est-ce que vous croyez que vous avez été créé comme ça inutilement et que vous n'allez pas être retourné à Allah subhanahu wa ta'ala? يعني لا يؤمر الإنسان ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى يأكل ويشرب ويمكر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء أو يتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء. هذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء. Donc le cheikh il dit, est-ce que quelqu'un va pas être ordonné ou interdit, hein, on va être comme ça sur la terre, comme des animaux sauvages, hein, on se promène et puis on mange, on dort, on boit, on fait tout ce qu'on veut, puis il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de commandement, il n'y a rien. Hein, on peut faire des péchés, des complots, des choses mauvaises, et puis on termine à la fin, puis il n'y a plus rien, c'est fini la mort, et puis il n'y a plus rien. Hein, le cheikh il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Celui qui a fait des bonnes œuvres, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'est interdit de faire ce qu'Allah a interdit, hein, ça va pas terminer comme ça pour lui. C'est pas la mort, puis c'est fini. Il y aura une récompense éternelle pour lui et pour ceux qui ont fait le mal, un châtiment. Allez regardez par exemple, juste un musulman par exemple, comment sa vie est remplie d'adoration du matin jusqu'au soir. Il se lève la nuit pour prier, il sort dans la rue à personne, il fait noir, il va pour prier le Fajr, alors que tout le monde est en train de dormir dans son lit. Et de jouir d'un bon sommeil. Déjà ça, c'est tu vois que le croyant, il se fatigue, il est dans cette dunya pour adorer Allah, pour faire du bien, pour faire plein d'efforts pour adorer Allah, pendant que les autres êtres humains sur la terre sont en train de profiter de leur jouissance éphémère dans ce monde, et ils s'amusent comme ils pensent, ils vivent comme ils veulent vivre, et tandis que le mu'min, lui, il se retient. Le kafir, il voit les femmes, il va aller avec n'importe quelle fille, il fait qu'est-ce qu'il veut. Le mu'min, il dit non, ça c'est haram, moi je peux pas aller avec n'importe quelle fille de cette façon-là, je dois rester dans les limites de ce que Allah m'a permis. Hein? Le kafir, il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette dunya, c'est une prison pour le mu'min, et c'est un paradis pour le kafir. Hein, c'est comme ça. Et dans l'autre vie après la mort, là ce sera différent. Parce que le mu'min va être
dans son paradis, et le kafir, lui, va être dans son enfer. Hein? Donc c'est pour ça, le cheikh, il dit que on voit maintenant qu'il y a réellement dans la foi en Al-Yawm Al-Akhir et le paradis et l'enfer, il y a quelque chose qui pousse quelqu'un à faire des bonnes œuvres et à se repentir des mauvaises actions qu'il a faites. Il dit ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به وهو أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره أحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة وأحيانا يذكر أربعة وأحيانا يذكر اثنين فقط الإيمان بالله وباليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. Donc le cheikh explique que la foi en Al-Ba'd, la résurrection, ou Al-Hisab, le jugement, il y a beaucoup de koufars qui ont rejeté la foi en ces articles-là de la foi. Donc c'est donc obligatoire d'y croire, de reconnaître que c'est vrai et de le confirmer et de l'établir dans notre cœur comme une croyance ferme. Et ça fait partie des six piliers de la foi. Dans l'islam, il y a six piliers de la foi. C'est-à-dire, tu dois croire en six principes qui sont fondamentaux. C'est-à-dire la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection, et la foi en la prédestination. C'est-à-dire que de croire que tout ce qui arrive peut uniquement arriver si Allah l'a voulu. Et ce que Allah ne veut pas, ça n'arrive pas, etc. Donc, des fois tu trouves que dans le Coran Allah va mentionner les six articles ensemble, ou dans d'autres versets il en mentionne seulement quatre, ou dans d'autres versets il en mentionne deux seulement, selon le verset, ça dépend. Et parfois Allah subhanahu wa ta'ala mentionne uniquement les deux, comme la foi en Allah et au jour dernier. Comme par exemple dans un verset, c'est le verset 62 dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: celui qui a cru en Allah et au jour dernier et qui a fait les bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur et ils n'auront nulle crainte et aucune tristesse. Ils ne vont pas être attristés. Donc ça, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les deux articles, la foi en Allah et la foi au jour dernier. Et il s'est limité à ces deux-là. Pourquoi? Parce que la foi en Allah et au jour dernier, eh bien, ça implique en même temps que tu crois en tous les autres articles de la foi aussi. Après le cheikh il dit: وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاثة أو من الملل الثلاث ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين فهو حديث عظيم فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا فيه البراءة من دين المشركين وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث ملة المشركين وذلك بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والبراءة من ملة اليهود والنصارى وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. Donc le cheikh explique ici comment ce hadith là qu'on a expliqué aujourd'hui et depuis deux cours également, deux ou trois cours encore précédemment, on a expliqué que ce hadith là en fait ça consiste en même temps à se désavouer des trois grandes religions, les trois grandes religions qui existent, la religion des mushrikin, ceux qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, la religion des juifs et la religion des chrétiens.
dans ce hadith, il y a la réfutation de ces trois grandes religions. Ok. Premièrement, le cheikh explique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a témoigné que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, et qui témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, quand tu as témoigné de ça, tu t'es désavoué de la religion des mushrikins, les idolâtres, ceux qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, peu importe le nom de cette religion, parce que les mushrikins, ça englobe un grand nombre de croyances et de religions, c'est pas seulement un seul groupe. Hein, il y a les hindous, il y a les bouddhistes, il y en a plein d'autres encore, tous ceux qui adorent autre que Allah. Hein. Ensuite, le cheikh il dit que l'autre partie du hadith, la suite, ça dit, est de témoigner que Isa est le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam. Donc, le cheikh il dit que dans cette partie-là du hadith, il y a une réfutation et un désavouement de la religion des juifs et des chrétiens. Parce que les juifs ont rejeté la foi en Isa, ils n'ont pas cru en Isa. Les juifs ne croient pas que Isa est un messager d'Allah. Hein? Donc ça c'est un extrême. Et les chrétiens, eux, c'est dans l'autre extrême. Ils ont cru en Isa, mais ils l'ont fait comme un dieu. Donc ça c'est l'autre extrême, complètement l'autre opposé des juifs. Les juifs qui ont rejeté Isa, les chrétiens ils l'ont accepté, mais ils l'ont élevé, puis ils ont fait comme de lui un dieu. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et les musulmans, nous, qui sont, on est dans le juste milieu à propos de la foi en Isa. On rejette pas Isa comme les juifs, on croit en lui, on dit qu'il est un messager d'Allah, mais on n'exagère pas comme les chrétiens aussi, hein, c'est-à-dire on accepte Isa mais on ne l'élève pas au niveau de Rab. On dit non, c'est un être humain, hein, messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas Dieu. D'accord? Donc on est entre les deux extrêmes à ce sujet-là. C'est pour ça que l'islam c'est Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. C'est pour ça qu'on dit toujours غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On est المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم. المغضوب عليهم, ceux que, contre qui Allah est en colère, les juifs, parce qu'ils ont du savoir de la religion, ils connaissent le tawhid, ils connaissent beaucoup de choses de la religion, mais ils ne l'appliquent pas puis ils ne l'enseignent pas. Tandis que l'autre الضالون, c'est les égarés, c'est qui? C'est les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, parce qu'ils n'ont pas de connaissance de la religion, et donc ils associent avec Allah, ils prient Jésus, ils prient Marie, ils prient les saints, hein, ils font toutes sortes de formes, de différentes formes de shirk et des innovations dans la religion. Donc ils ont changé le message de Jésus, c'est pas le vrai message de Jésus qu'ils suivent aujourd'hui, hein. C'est une religion qui a été transformée. Et le cheikh il dit que les deux groupes, les juifs et les chrétiens, comme on a dit, les juifs ils croient pas en Jésus, les chrétiens ils prennent Jésus comme un dieu, mais les deux ils rejettent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens, les deux refusent de croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah. Et ils refusent de croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, le hadith rejette ou refute ou se désavoue de ces deux groupes parmi les groupes des kuffars. والشاهد, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, quand on parle des juifs et des chrétiens, ils s'imaginent qu'on parle des juifs et des chrétiens sur un plan politique ou des raisons politiques. Hein. Il y a toujours cette tendance-là, même j'ai entendu dans certains médias, des fois des journalistes, ils rentrent dans les mosquées avec des caméras cachées, puis ils filment des imams quand ils sont en train de parler, par exemple, des juifs et des chrétiens. Après, ils prennent la partie où on parle des juifs et des chrétiens, ils mettent ça à la télévision, pour les non-musulmans, ils disent, regardez comment les musulmans ils parlent des juifs et des chrétiens dans leur mosquée. Alors que ça, c'est des versets, des fois l'imam est en train de lire un verset qui est dans le Coran, hein, et ou bien un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils le prennent, ils le mettent devant les gens, hors de son contexte, pour montrer aux gens, oh regardez, ces gens-là, ils détestent les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ils nous détestent, hein, puis ils comprennent pas le contexte. Donc nous on parle pas sur un plan politique ou sur un plan économique ou des trucs comme ça, on parle sur le plan de la foi. Qu'est-ce qui fait que les juifs et les chrétiens ont dévié ou qu'ils ne sont pas considérés par les musulmans comme étant des croyants?
c'est à cause de leur croyance par rapport à leur position vis-à-vis des prophètes et vis-à-vis des révélations et vis-à-vis de Dieu. C'est ça ce qui fait qu'ils sont des non-croyants. C'est pas uniquement comme eux, comment ils interprètent des trucs historiques ou politiques. Ah, ils ont colonisé tel pays, ils ont fait telle chose, ils ont tué telle personne. Ça, c'est des détails historiques qui sont arrivés par la suite. Puis c'est pas nos conflits vis-à-vis de ces gens-là, c'est pas basé là-dessus. C'est principalement basé sur notre position vis-à-vis la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, notre position vis-à-vis la foi envers les messagers d'Allah, et notre position vis-à-vis de notre foi aux livres et aux révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est un détail que ces gens-là essaient de cacher ou bien de nier pour faire croire aux gens toutes sortes de complots puis de théories que les musulmans veulent contrôler l'Occident, le monde, et puis veulent envahir le monde, en tout cas toutes sortes d'idées, et ils utilisent ça pour faire peur à leur population et les faire peur de l'islam et des musulmans, puis en même temps pour les éloigner de l'islam. Hein. Puis ça c'est le seul moyen qu'ils peuvent utiliser pour empêcher les gens d'accepter l'islam, parce que l'islam, n'importe quelle personne sincère qui l'étudie, qui recherche réellement la vérité, il va être convaincu, il va l'accepter, ça c'est certain. Parce qu'il y a dedans les preuves. Juste en discutant avec un chrétien ou un juif, tu lui parles du tawhid, tu lui parles des arguments de l'unicité d'Allah et les explications de la religion, et il ne pourra pas trouver rien sur un point sur lequel il va pouvoir s'objecter avec des arguments solides. Hein. Et c'est pour ça que en Occident, de plus en plus, il y a des juifs et des chrétiens qui se convertissent de plus en plus à l'islam, malgré les propagandes médiatiques et tout ça. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et le cheikh il dit ensuite, « وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبَابِ » يعني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن يدخلهم الجنة وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق هؤلاء هم أهل التوحيد وهم وعندهم أو وعدهم الله أن يدخلوا الجنة فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. Donc le cheikh explique que pourquoi donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith dans ce chapitre, le chapitre du mérite du tawhid et ce que le tawhid efface des péchés, pourquoi il a mentionné ce hadith-là dans ce chapitre. La raison de ça, c'est que, comme il explique, premièrement il explique qui sont les gens du tawhid. Les gens du tawhid, ce sont les gens qui ont la promesse du paradis. Hein? Ce sont les gens qui ont témoigné de ce témoignage qui est mentionné dans le hadith, qui ont témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qui ont témoigné que Isa, Jésus, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et une parole que Allah a envoyée à Maryam, et une âme venant de lui, et que le paradis est véridique, et que l'enfer est véridique, ceux-là sont les gens du tawhid, les gens de l'unicité d'Allah, et Allah leur a promis de les faire entrer au paradis, et donc voilà le mérite du tawhid, le fait que si tu témoignes du tawhid, et que tu confirmes ta foi en le tawhid, tu vas rentrer au paradis. C'est ça la promesse. Alors, ce sera une cause qui va te faire entrer au paradis. Maintenant, il explique plus en détail. Il dit, voilà, qu'il ma ma'na, adkhalahu Allah al-jannah, ala ma kana min al-amal. Qu'est-ce que ça veut dire, ala ma kana min al-amal? Fi dhalika qawlan, qawlan li ahli al-ilm.
القول الأول أدخله الله على ما كان من العمل يعني لو كان له ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة إما من أول وهلة وإما في النهاية ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. Donc le cheikh explique que la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah va le, celui qui a témoigné de ce témoignage, Allah va le faire rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait d'action ou sur ce, selon ce qu'il faisait d'action, eh bien il a été expliqué de deux façons par les ulama. La première façon dont les ulama l'ont expliqué, c'est qu'ils ont dit que ala ma kana min al-amal, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qu'une personne a pu faire de péché, hein, peu importe qu'est-ce qu'il a fait de péché en dehors du shirk, c'est-à-dire à part le shirk, c'est-à-dire comme Allah dit dans le Coran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah ne pardonne pas que quelqu'un fasse le shirk, il associe avec Allah dans son adoration, hein. Mais autre que le shirk, il peut pardonner à qui il veut n'importe quel péché. Hein, donc n'importe quel, le shirk, c'est ça qu'il explique. Il dit la première position, c'est ça, c'est que peu importe qu'est-ce qu'une personne a pu faire comme péché autre que le shirk, il n'y a rien qui peut se mettre entre lui et l'entrée du paradis. Celui qui est mort et qui n'a pas commis de shirk, c'est certain qu'il va entrer au paradis. Soit qu'il rentre au paradis direct, parce qu'il n'a pas fait de péché, hein, et il a été sur le tawhid, il rentre au paradis direct, ou bien qu'il rentre en enfer pour un certain temps, puis qu'il sorte et qu'il rentre au paradis par la suite, parce qu'il a commis des péchés. Mais il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Donc c'est ça le bien du tawhid, le bien de la ilaha illallah, c'est que ça t'empêche soit d'entrer au paradis, ça t'empêche soit d'entrer en enfer, ou soit que ça t'empêche de demeurer éternellement en enfer. D'accord? Donc c'est comme une sorte de garantie de rentrer au paradis. Soit que, oui c'est ça, c'est comme une garantie de rentrer au paradis, soit du premier coup, ou soit après avoir eu un certain châtiment. Et la durée de temps que le musulman qui a fait des péchés, qui rentre en enfer, mais qui a le tawhid, il peut rester dans l'enfer pendant un certain temps. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait la durée de temps qu'il peut rester en enfer. D'accord? Mais c'est certain qu'il va sortir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que personne ne va demeurer en enfer s'il a une atome de foi ou bien une graine de moutarde de foi. مثقال حبة من خردل من إيمان. سريك يا المثقال ذرة من خردل من إيمان سيخرج من النار. Donc ça veut dire il y a personne qui est sur le tawhid qui va demeurer éternellement en enfer. Donc ça, ça prouve déjà le grand mérite du tawhid et le grand mérite de la ilaha illallah et que c'est la base de l'islam. Ensuite, la deuxième explication de ça, de cette parole-là, « ala ma kana min al-amal », c'est quoi la deuxième explication? Le cheikh il dit, « al-ma'na al-thani, adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal, ay annahu yadkhulu al-janna, fatakunu manzilatuhu fiha bihasab amalih, li'an ahlu al-janna yatafawatun fi manazilihim bihasab amalihim, faminhum man yakun, ou faminhum man huwa fi a'la al-janna, ومنهم من هو دون ذلك. فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، الجنة درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، والنار أسفل سافلين، والجنة في فإنها أعلى عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، دل على أن الجنة درجات وأن الناس
ينزلون فيها بحسب أعمالهم منهم من يرى منزله كالكوكب الدري الغابر في المشرق في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل ومنهم من يكون دون ذلك. Donc le cheikh dit que la deuxième explication à la makana min al-amal, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont rentrer au paradis parmi les mu'minines selon ce qu'ils avaient d'action, c'est-à-dire que dans le paradis il y a des degrés, c'est pas tout le monde dans le paradis qui sont au même niveau selon la foi et les actions d'une personne, il va monter de plus en plus haut dans le paradis. La même façon que dans l'enfer, il y a des degrés aussi. Plus une personne a été profonde dans la mécréance et dans les péchés et dans l'égarement, et dans le shirk, plus que la personne va être profondément dans l'enfer. Et c'est pour ça que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna al-munafiqina fi darkin asfali min al-nar » Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les hypocrites seront dans le plus bas des profondeurs de l'enfer. Hein, les munafiqin, ceux qui ont montré extérieurement qu'ils sont des croyants, mais que dans leur cœur ils ne croient pas en l'islam, ils rejettent la foi dans leur cœur. Donc, il y a des degrés dans le paradis, et il y a des degrés dans l'enfer, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala ma kana min al-amal » selon la deuxième explication des ulama, selon ce qu'il avait d'action, tu vas rentrer au paradis selon le niveau de tes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le paradis a 100 degrés, miatu daraja. Et entre chaque degré, il y a la distance des cieux et de la terre. Hein? Entre chaque degré, il y a 100 degrés, et entre chacun de ces degrés, il y a la distance des cieux et de la terre. Et Allah les a préparés pour les mujahidin, c'est-à-dire pour ceux qui luttent dans son chemin. Et ça prouve que le paradis a des degrés, et que les gens vont descendre dans le paradis ou vont entrer dans le paradis selon le niveau de leur foi et leurs actions. Hein? Il y en a qui vont voir leur degré comme des planètes ou des étoiles dans le ciel, à l'est ou à l'ouest, c'est-à-dire ils vont regarder à l'autre degré qui est au-dessus d'eux, comme si c'est une autre planète ou quelque part bien éloignée comme une étoile dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est pas tout le monde qui se rend au même degré et au même niveau de récompense. وفي هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية ففيه رد على المشركين الوثنيين وفيه رد على اليهود وفيه رد على النصارى. Le chef dit donc que dans ce hadith il y a également donc une réfutation de tous les groupes de mécréance, comme par exemple les mouchriquins qui adorent les idoles et autres, et les juifs et les chrétiens. Voici le hadith également, wujub al-iman bi jami' al-rusul alayhim as-salatu was-salam li'annahu nassun 'ala al-iman bi-Isa wa bi-Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل كما في قوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Okay, ça c'est une partie des versets qui sont à la fin de la sourate Al-Baqarah, le verset 255. Ça dit que dans le hadith il y a également la preuve que c'est obligatoire de croire en tous les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, parce que il y a la mention de la foi en Isa et de la foi en Muhammad sallallahu alayhi wasallam, et donc il y a dans ça la mention ou l'indication qu'il faut croire en tous les messagers d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 285 de sourate Al-Baqarah, et les croyants, ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et on ne fait aucune distinction entre aucun d'entre les messagers. Donc on n'a pas le droit de faire distinction entre les messagers. Il faut croire en tous les messagers. Et le Cheikh dit, فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Donc le cheikh explique, il dit donc qu'il faut croire en tous les messagers, alayhim salatu wassalam, et celui qui rejette ou qui refuse de croire en un d'entre les messagers d'Allah, c'est comme s'il a rejeté et qu'il a refusé de croire en tous les messagers d'Allah. Comme les mécréens parmi les juifs par exemple. Le cheikh il dit les juifs, ils disent qu'ils croient en Moussa, ils disent qu'ils croient en Moïse. Alors qu'en réalité, ils ont rejeté la foi en Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par le fait d'avoir rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont en même temps rejeté la foi en Moussa alayhi salam. Parce que Moussa alayhi salam, il a annoncé la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur livre, c'est écrit même qu'il y a un prophète qui va arriver, et il a donné, Moussa a donné la description de ce prophète, et quand on lit la description, on voit que c'est la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les juifs ont refusé de croire en lui, et donc en refusant de croire en lui, ils ont refusé de croire en leur propre prophète, c'est-à-dire en Moussa alayhi salam. Et comme Allah ta'ala dit dans le verset 157 dans Surat al-Araf, en parlant des croyants, il dit que ce sont ceux qui ont suivi le message, ou qui ont suivi le messager, le prophète illettré, celui qu'ils trouvent mentionné dans leur livre. Les juifs, ils trouvent la mention de ce prophète dans leur livre, dans la Torah et dans l'Injil, et qui leur commande de faire le bien et qui leur interdit de faire le mal, et qui leur rend halal tout ce qui est bon, et qui leur rend haram tout ce qui est mauvais. Donc ça c'est la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça, dans le Coran on dit qu'il y a dans leur livre la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد وأمر بالإيمان به وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به، فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به، والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، ومع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم فقط، ولكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
Non, donc, pour expliquer cette dernière partie, le cheikh il dit que de même que le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il a annoncé la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, comme par exemple dans le verset 6 dans Sourate As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, a dit, ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah pour vous, qui confirme ce qui est venu auparavant de la Torah, et qui annonce la venue d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed. Donc Isa a annoncé à Bani Israël qu'il y a un prophète qui va venir après, et il a annoncé la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est la signification, qu'il leur a commandé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les chrétiens n'ont pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu, et ils ont refusé de croire en Muhammad, donc ils ont en même temps refusé de croire en Isa alayhi salam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été annoncé par Isa, donc ça veut dire qu'ils ont mécru en leur propre prophète, hein, qu'ils prétendent de croire ou de suivre. Et la même chose pour tous les autres prophètes. Les prophètes, ils se confirment tous, hein, ils se croient, c'est-à-dire chaque prophète confirme le prochain ou l'autre. Ils se confirment tous les uns les autres. Donc les prophètes, c'est comme une chaîne. C'est comme une chaîne, hein, c'est comme les graines d'un collier. Ils sont tous reliés par le même fil, d'accord? Donc ils se retiennent tous ensemble, ils se complètent tous les uns les autres, et ils ont tous donc annoncé les uns les autres, un après l'autre. Donc, celui qui croit au dernier, il croit au premier d'entre eux. C'est comme s'il a cru en tous les autres, parce que c'est une seule et même chaîne. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Shu'ara, le verset 105, le peuple de Nuh a refusé de croire aux messagers, aux mursalin. Kazzabat qawm Nuh al-mursalin. Tandis que si tu regardes, le peuple de Noé ont uniquement rejeté la foi en leur prophète, c'est-à-dire le prophète Noé. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كذبت قوم نوح المرسلين. C'est-à-dire, il utilise le pluriel pour dire, comme si le peuple de Noé a rejeté les messagers. Parce que s'ils ont rejeté un, c'est comme s'ils ont rejeté tous les messagers. Donc ça, c'est un point que le cheikh explique. Et il dit, par exemple, l'autre verset dans Sourate An-Nisa, le verset 150 et 151, ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction, une séparation entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons certains d'entre eux, et qui veulent prendre une voie entre les deux, ceux-là sont les vrais mécréants. Oulaika humul kafiruna haqqa. Et le cheikh termine en disant, wa qawluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa muslimun fi sahihayhima. Donc le hadith est sahih et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Donc je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter ici, puis en fait on a presque fini, hein. Il reste juste une page, deux pages, on pourrait même terminer le chapitre au complet aujourd'hui, puisque le cheikh il n'a pas donné beaucoup de détails à propos des autres hadiths qui suivent, parce qu'ils ont déjà été expliqués dans l'explication des hadiths précédents. Donc on va terminer, Inch'Allah, il reste encore quelques minutes. Cheikh il dit, وَلَهُمَا أَيْ Al-Bukhari wa Muslim. Yani là il y a un autre hadith qui dit, le hadith c'est le hadith de Utban. Il dit, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. C'est-à-dire le hadith de Utban, il dit quoi? Il dit que Allah a interdit à quelqu'un le feu, ou bien interdit le feu à celui qui dit la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui le dit uniquement pour
le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il le dit uniquement pour Allah et non pour autre chose. Le cheikh, il explique ce hadith-là, maintenant en disant, qu'il dit, في حديث عثمان وهو عثمان ابن مالك الأنصاري صحابي مشهور حرم على النار تحريم المنع التحريم المنع أي منعه من دخول النار أو منع النار أن تمسه من قال لا إله إلا الله أي نطق بها بلسانه وأعلنها يبتغي بذلك أي يقوله لها ونطقه بها وجه الله أي مخلصا له بها لم يقلها رياء ولا سمعة ولا نفاقا بل يعتقد ما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه واعتقاد بطلانها والبراءة منها ومن أهلها فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها. Donc le chef il a expliqué ce hadith là en disant que Uthman ibn Malik al-Ansari, c'est un sahabi qui est très connu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a interdit l'enfer ou le feu à celui qui dit la ilaha illallah. Quand on dit at-tahrim, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher que la personne entre dans le feu, ou bien empêcher que le feu le touche. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire celui qui le dit avec, qui le prononce avec sa langue et qui le déclare. Yabtari bizalika, c'est-à-dire quand il le dit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il est sincère quand il le dit. Il ne le dit pas pour se faire entendre ou pour se faire voir ou par hypocrisie, mais il le dit en croyant sincèrement, avec une conviction sincère et profonde de ce que ce témoignage-là signifie. Et c'est-à-dire qu'il doit uniquement adorer Allah seul et abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes est faux, et il doit s'en désavouer et se séparer de ses idoles et de ceux qui les adorent, ou de ce qui est adoré par ces mouchriquins. Et donc, en général, le hadith, qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que ce n'est pas suffisant d'uniquement prononcer la ilaha illallah sans connaître ce que ça signifie et sans agir selon ce que ce témoignage-là implique et qu'est-ce qu'il a comme signification. Il faut agir selon ses principes et croire en ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il contient de croyance. Et le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن مالك وابن حبان وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Et donc le chef il explique ces deux hadiths là qu'on vient de mentionner. Il dit que il dit قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب
علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، طلب من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به ويطلب منه به حاجاته ويتوسل به إليه. قل يا موسى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال أي موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال أي الرب سبحانه مبينا لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر، لو أن السماوات السبع أي ابتباق وعامرهم أي من فيهن من العمار غيري أي غير الله، لأنه سبحانه في السماء، ففيه دليل على إثبات علو الله. والأراضين السبع أي من فيهن من السكان، وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء. وفي كفة أي إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله، والأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك. وفي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنه لا بد من الاتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الاتيان بلفظ الله أو بلفظ هو كما تفعله الصوفية عبد الله. وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به، وفيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. دونك le cheikh explique ce hadith là en disant premièrement que Abu Sa'id al-Khudri c'est un des grands sahaba, son père était un sahabi aussi, il s'appelle Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Ansari al-Khazraji. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa, le prophète d'Allah, a dit « Oh Allah, enseigne-moi une parole par laquelle je vais pouvoir t'invoquer et me souvenir de toi hein, et te mentionner ton nom. » Et il a demandé donc une parole à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pouvait répéter lorsqu'il voulait demander quelque chose à Allah. Hein, et Allah lui a répondu, il lui a dit « Oh Moussa, dis la ilaha illallah » c'est-à-dire dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors Moussa il a répondu et il a dit « Oh mon Seigneur, oh Allah, Ya Rab, tous tes serviteurs disent cette parole. » Tous tes serviteurs disent déjà cette parole. Alors Moussa, il voulait quelque chose de particulier, de spécial juste pour lui, hein, que lui seul allait dire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en lui disant que ça c'est la meilleure de toutes les paroles et le meilleur de tous les zikrs. Si les sept cieux et tout ce qu'il y a dedans, et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans étaient mis dans sur un côté d'une balance, sur une balance, et que de l'autre côté, sur l'autre balance, de l'autre côté de la balance, on mettait seulement la ilaha illallah, et bien la ilaha illallah serait plus lourd que les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est pour faire comprendre en fait que là, c'est pour faire comprendre en fait que le poids que possède la ilaha illallah et l'importance que possède la ilaha illallah, hein, comme on voit dans ce hadith. Et donc le cheikh il explique, il dit pourquoi c'est si important et pourquoi ça a tout ce poids là, c'est parce que cette parole elle implique la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration pour Allah seul, et pour confirmer le tawhid et pour annuler et rejeter et rendre nul tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les formes de shirk. Donc le cheikh il dit donc dans ce hadith là on voit le mérite que possède le tawhid, on voit que c'est la meilleure forme de dhikr,
on voit que de le, il faut le dire en entier, il faut dire la ilaha illallah au complet, pas juste la, la ilaha ou bien illallah, il faut dire la ilaha illallah ensemble, et puis il ne faut pas juste se limiter juste au nom d'Allah seul, comme il y en a parmi les groupes de soufis, parmi les groupes déviés, parmi les musulmans qui disent Allah, 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 ils s'assoient puis ils s'assoient en rond, puis ils vont répéter Allah comme ça 1000 fois, 2000 fois ou plus, jusqu'à ce qu'il entre en transe ou des choses comme ça, il commence à s'asseoir, puis là ils vont dire Allah, 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 peut-être même ils commencent à bouger en même temps, bouge la tête, jusqu'à ce qu'ils perdent la tête complètement. Et il y en a qui ne disent même pas Allah, ils disent juste le pronom, lui, lui, oh, il, comme ça, ho, 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 hein. Donc ils vont répéter hou 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 comme ça pendant des milliers de fois, et ils croient que ça c'est le meilleur dhikr. Ça c'est des groupes déviés parmi les soufis qui font des choses pareilles. Ils disent que ça c'est dhikrul khawas, ça c'est le dhikr des gens yani particuliers parmi les musulmans qui ont encore une fois atteint des niveaux de conscience très élevés, qui sont au-dessus du reste des musulmans, ils n'ont plus besoin de dire la ilaha illallah, ils disent seulement hou, hou, hou. Donc, le cheikh dit donc que ça nous montre que le dhikr, il doit être fait de la façon que Allah et son messager nous ont montré de le faire, et non pas de la façon qu'on décide nous-mêmes ou qu'on désire nous-mêmes le faire. Et donc, يا سائب ولداني حديث لشيخ زي وقوله للترمذي وحسنه أي رواه في سننه وقال إنه حديث حسن. وعن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض بضم القاف ملؤها أي ما يقاربه. لأتيتك بقرابها مغفرة فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك وفيه فضل التوحيد وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر وفيه سعة فضل الله ورحمته وبالله التوفيق. donc le cheikh il a expliqué ce hadith là de Anas rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Anas ibn Malik. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au fils d'Adam, si tu venais me voir avec des péchés gros comme la terre, la quantité de péchés gros comme la terre, hein, puis que tu me rencontres sans avoir rien associé avec moi, tu n'as pas fait de shirk avec moi, alors moi je te donnerai un pardon équivalent, c'est-à-dire un pardon grand comme la terre. Ça veut dire que, yani, quelqu'un qui n'a pas fait le shirk, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les péchés qu'il a, même si c'est des péchés aussi grands que la terre, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner pour ses péchés. Donc, il y a dans ça, le cheikh il dit que, il y a dans ça la réfutation, en fait, il dit qu'il y a le pardon des péchés et que, pour la condition pour que tes péchés soient pardonnés, c'est que tu te sois écarté du shirk. Donc ça montre le mérite du tawhid. Et il y a également dans ça la réfutation des khawarij qui déclarent que celui qui fait des péchés est kafir. Il y a des groupes parmi les musulmans qui sont déviés, c'est des groupes extrémistes. Ils disent que si tu commets un péché, comme par exemple le zina ou boire de l'alcool ou tuer ou des trucs comme ça, tu sors de la foi, tu deviens kafir. Et ça c'est des groupes d'extrême. Ceux-là, ils déclarent kuffar les musulmans parce qu'ils font des grands péchés. Et dans ce hadith, il y a la réfutation de ça, puisqu'on voit que le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah, c'est le shirk billah et le kuffar. Tout autre péché peut être pardonné par Allah. D'accord? Donc, il y a la réfutation des khawarij à ce sujet-là. Et il y a également la preuve de la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. D'accord? Et wa billahi tawfiq, on peut s'arrêter ici. Donc on a complété le chapitre 2 aujourd'hui, et la semaine prochaine, inshallah, samedi prochain, on fera donc le chapitre 3, bab man haqqaqa at-tawhid
دخل الجنة بغير حساب. Donc ça c'est le chapitre 3 et ça veut dire celui qui a réellement appliqué la vraie signification du tawhid, il entrera au paradis sans aucun jugement, sans aucun compte à rendre. D'accord? Ça c'est celui qui est arrivé avec le tawhid dans sa perfection, dans sa perfection. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.